Alors, lorsqu'on va prendre deux débutants, Paul et Jacques par exemple, et qu'on va leur dire de se lancer dans le business d'affiliation, qu'on va leur mettre devant des produits comme un téléphone portable, un livre comme celui-là, ou un appareil comme celui-là, ou encore un autre appareil comme celui-là, eh bien, Paul va peut-être choisir par exemple de vendre le téléphone portable parce que ce que Paul va se dire c'est que c'est un téléphone portable et que ce téléphone portable coûte forcément très cher et que ça va lui permettre de toucher de belles commissions. Jacques va se dire ben moi ce que j'ai envie de faire eh bien c'est d'aller regarder un peu ce que les gens recherchent sur internet et d'analyser le marché. Et lorsque Jacques va finir ses études, Jacques va peut-être se concentrer sur la promotion de ce livre L'homme le plus riche de Babylone pour essayer de gagner de l'argent. Alors qui de Jacques et de Paul ont fait le bon choix? Qui de Jacques et de Paul va gagner de l'argent pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années s'ils se concentrent à développer un véritable business? Premièrement, Jean va peut-être gagner beaucoup d'argent parce qu'il va vendre un téléphone portable. Et comme on le sait, le téléphone portable coûte cher. Le problème, c'est que si Jean vend ce produit, il va toucher par exemple 3%. Et imaginons que ce téléphone coûte 400 euros. Si Jean touche 3%, ce qui fait 3 euros pour, fois 4, ce qui lui fait généralement 12 euros. Jean va se dire, bah, je gagne 12 euros sur chacune des ventes. Et comme le téléphone portable est un produit qui s'achète très bien, je vais peut-être vendre 3 ou 4 portables par jour. Et donc, je vais toucher environ 3 fois ou 4 fois 12 euros. Ce qui tourne autour de 36 et de 48 euros par vente. Ce qui est déjà très bien. Mais il y a quelque chose que Jean ne prend pas en compte. C'est que le téléphone portable est un produit temporaire. Dans quelques mois, la même marque peut produire un nouveau téléphone portable et ce modèle que je suis en train d'utiliser sera obsolète. Et le problème, lorsque ce produit devient obsolète, toutes les personnes qui voulaient l'acheter ne vont plus l'acheter et le business de Jean va s'écrouler. Jean va alors perdre son business et ses revenus vont commencer par baisser et mois après mois, il aura l'impression d'avoir travaillé pour rien. A contrario, Jacques aurait vendu un livre et ce livre coûte environ 30 euros. Mais généralement, Jacques va toucher 5% sur le livre, ce qui revient à une très petite commission. Ici, nous sommes en présence d'un produit qui se vend comme de petits pains. Jacques va alors se concentrer et va développer un business pour vendre des livres qui expliquent comment devenir riche. Et pendant quelques années, le business de Jacques va progresser dans le temps et va lui permettre en fait de gagner des milliers d'euros. Et comme Jacques n'est pas en présence d'un produit qui se démode facilement, eh bien, pendant de longs mois, voire pendant de nombreuses années, Jacques va continuer par toucher de belles commissions et vous allez avoir l'impression qu'il ne travaille pas et qu'il gagne plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce que j'aimerais te faire comprendre à travers cette explication, c'est que ce n'est pas parce qu'un produit coûte cher qu'il va forcément te permettre de gagner beaucoup d'argent en marketing d'affiliation. Ce n'est non plus parce qu'un produit ne coûte pas assez cher qu'il va te permettre de ne pas gagner beaucoup d'argent sur internet. Si tu veux gagner vraiment beaucoup d'argent grâce au marketing d'affiliation, tu dois uniquement te concentrer sur des produits qui se vendent bien et qui se vendent dans le long terme. Tu dois te concentrer sur des produits qui ne se démodent pas de manière à ce que les gens peuvent l'acheter pendant de longs mois, voire pendant plusieurs dizaines d'années. C'est comme ça que tu vas pouvoir gagner vraiment de l'argent en marketing d'affiliation. Et ces produits ne sont pas présents dans toutes les niches. Dans cette vidéo, je vais te présenter les thématiques dans lesquelles il y a des produits qui se vendent comme de petits pains. Je vais t'expliquer étape par étape pourquoi ces produits se vendent et tu vas simplement te concentrer sur ces thématiques et trouver le produit qui va te permettre de construire un véritable business. Je te rappelle qu'il ne s'agit pas simplement des produits physiques. Des produits numériques se vendent aussi très bien et la stratégie est la même. Il y a des produits numériques qui ne se vendent pas très bien sur internet, mais c'est comme ça qu'il y a des produits numériques qui se vendent également très bien comme de petits pains. Je t'invite donc à regarder cette vidéo et à appliquer les règles que je vais te proposer et à choisir tes produits dans l'une des thématiques que je vais te présenter à travers cette vidéo. Si tu es ici pour la première fois, je suis Nathanaël Longpamé. Je suis entrepreneur sur internet depuis 2013 et grâce au marketing d'affiliation, j'ai créé plusieurs sources de revenus. Je suis convaincu qu'avec
avec l'affiliation, on peut faire de belles choses. On peut partir de zéro et se créer plusieurs centaines de sous de revenus. Je dis même qu'on peut partir de zéro et se construire un empire numérique. Un empire numérique, c'est ton business sur Internet qui rapporte de l'argent, même lorsque tu es en train de dormir. Et avec le pouvoir de l'affiliation, tu vas pouvoir générer de belles commissions qui vont te permettre en fait d'investir dans l'immobilier ou dans la bourse pour asseoir ta liberté financière. Si ce projet t'intéresse, si toi aussi tu as envie d'utiliser la puissance du marketing d'affiliation pour te créer d'énormes sources de revenus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et surtout, regarde dans la description de cette vidéo pour récupérer ma formation intitulée de 0 à 1000 euros par mois avec l'affiliation de System.io. L'affiliation System.io est l'une des multiples sources de revenus que tu peux créer sur Internet et je te montre comment partir de zéro pour atteindre les 1000 premiers euros sur Internet. Dans le marketing d'affiliation, si tu veux gagner de l'argent pendant de longues années, tu dois uniquement te concentrer sur trois secteurs qui marchent très bien. Ces secteurs, ce sont les secteurs dans lesquels il y a de l'argent qui circule simplement parce que ce sont des secteurs qui touchent tout le monde et donc tout le monde se sent concerné et tout le monde a envie de résoudre ses problèmes pour réussir sa vie dans ces trois différents secteurs. Ces secteurs, bah, ça te touche, ça me touche et ça touche la planète entière. Il s'agit des secteurs qu'on appelle généralement des niches evergreen. Alors, une niche evergreen, c'est une niche dans laquelle les gens dépensent vraiment de l'argent et ce sera le cas même dans 2030, même à 2040 ou en 2050. C'est-à-dire que si tu as un business d'affiliation qui tourne dans ces trois secteurs, eh bien, tu es sûr de gagner de l'argent tout au long de la vie de ton business simplement parce que les nouvelles personnes qui vont grandir auront les mêmes problèmes que ceux qui étaient déjà là et ou ceux qui ont déjà quitté cette planète Terre. En fait, les niches Evergreen, ce sont des niches qui nous touchent personnellement, qui touchent tout le monde entier et donc ça peut t'aider vraiment à gagner de l'argent. Parmi les niches Evergreen, on peut citer généralement les niches liées à la santé, les niches liées à l'alimentation, donc ce qui veut dire que tu vas aider les gens par exemple à avoir une meilleure santé, les niches liées à la richesse et à l'enrichissement, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent, et les niches liées aux relations humaines, que ce soit les relations entre les humains entre eux ou les relations entre les humains et les animaux. Maintenant, on va voir un peu plus pourquoi ces trois différentes niches sont les niches dans lesquelles il y a vraiment de l'argent qui circule. Je vais t'expliquer un peu plus pourquoi ces trois niches sont les niches dans lesquelles il y a vraiment de l'argent à gagner. Mais plus tard, on verra les niches spécifiques qui sont des niches dans lesquelles il y a beaucoup d'argent qui circule, mais qui sont des sous-niches qui sont cachées un peu plus dans les niches evergreen. Je vais te donner ces niches à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oublie pas de partager, de mettre un pouce, de liker, de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu souhaites avoir plus d'informations sur le marketing d'affiliation, si tu as envie d'apprendre à connaître l'affiliation et à réussir ton business. En marketing d'affiliation, le premier secteur dans lequel il y a vraiment de l'argent qui circule sur Internet, c'est le domaine de la santé. Comme tu le sais, la santé est un domaine qui touche tout le monde partout dans le monde entier. Donc si tu te lances dans le marketing d'affiliation dans le secteur de la santé, tu es sûr de vendre des produits et de gagner de belles commissions. Que ce soit dans le cas des produits physiques ou des produits numériques, la santé est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent simplement parce que ça touche tout le monde et tout le monde a envie d'avoir une meilleure santé. Donc la santé est un domaine qui rapporte vraiment beaucoup d'argent. Et dans le secteur de la santé, on a de petites niches. En effet, on peut coupler santé et perte de poids, ce qui veut dire qu'on est dans le domaine de la santé, mais on va expliquer aux gens comment perdre du poids, ou santé et sommeil, ce qui veut dire qu'on est dans le domaine de la santé et on va expliquer aux gens comment bien dormir pour avoir une meilleure forme. On peut également coupler santé et d'autres types de mots, par exemple être dans le domaine de la santé et expliquer aux gens comment soigner les douleurs de dos, ou encore on peut être dans la santé et expliquer aux gens comment prendre soin de leur corps lorsqu'ils ne sont pas encore malades. Parce que, rappelle-toi, c'est lorsque nous ne sommes pas encore malades que nous devrions prendre
prendre soin de notre santé. Par exemple, une personne qui explique aux gens comment perdre du poids est une personne qui peut gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui essayent de perdre du poids mais qui n'arrivent pas. Donc, ce sont des personnes qui sont ouvertes et qui peuvent acheter des produits facilement pour essayer de trouver des solutions pour perdre du poids. Donc, toi, par exemple, si tu te lances dans le marketing d'affiliation dans un domaine où tu expliques aux gens comment réussir à perdre du poids, eh bien, tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent. Tu peux toucher de belles commissions simplement parce que tu vas toucher énormément de personnes. Et si tu as une solution qui marche très bien, tu peux vraiment toucher de belles commissions et tu peux être heureux de ton business. Dans le domaine de la santé, il n'y a pas que la perte du poids. On peut par exemple citer des produits comme des matelas qui sont des produits qui se vendent très bien. Un matelas coûte cher. Tu peux trouver des matelas à 100 €. Tu peux aussi trouver des matelas à 1 000 € ou à 2 000 €. Et si tu trouves des personnes qui veulent s'acheter un matelas, eh bien, tu vas toucher de très belles commissions. Donc, la santé est un domaine qui touche tout le monde. Et en vendant des produits dans le domaine de la santé, tu es certain de toucher de très belles commissions et de réussir en marketing d'affiliation. Le second secteur dans lequel il y a vraiment de l'argent qui circule en marketing d'affiliation, c'est le domaine de l'enrichissement. Tout ce qui tourne autour de l'argent, comment gagner de l'argent, comment investir son argent pour le faire développer, comment investir en bourse, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans le Bitcoin, comment investir dans l'achat-revente, etc., etc. Il y a énormément de sujets qui sont dans la thématique de la richesse qui touche des personnes qui veulent devenir financièrement indépendantes. Ce qui veut dire que si tu maîtrises l'un de ces sujets, tu peux être sûr de toucher de belles commissions, que ce soit avec les cartes bancaires, par exemple l'affiliation avec les banques en ligne, ou que ce soit avec les formations en ligne sur comment investir dans la bourse, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans l'achat-revente, comment faire du Bitcoin, comment faire de l'agriculture. Tu peux expliquer aux gens comment ils peuvent réussir dans ces différents domaines. Et si tu as des liens d'affiliation dans ces secteurs, tu es certain de toucher des commissions. La richesse est un sujet passionnant, simplement parce qu'on est tous concernés. Et même s'il y a des personnes qui disent « l'argent ne fait pas le bonheur », je suis 100% certain que ce sont des gens qui seront heureux de gagner vraiment beaucoup d'argent. S'ils le disent, généralement, c'est parce qu'on ne trouve pas de solution. Ne nous voilons pas la face. Lorsqu'on sait qu'il y a de l'argent quelque part et qu'on a envie d'aller le prendre, on va le prendre. S'il nous appartient, on va le prendre. S'il ne nous appartient pas, bah, on va nous buter. Nous ne sommes pas ici pour qu'on nous bute. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire du business pour essayer de gagner notre argent honnêtement. Donc, l'enrichissement est un sujet très porteur et très prometteur qui peut te permettre vraiment de gagner de l'argent si tu fais bien les choses. Si tu essaies d'arnaquer les gens, eh bien, tu vas perdre ton business parce que de tôt ou tard, les gens sauront que tu es un arnaqueur. Mais si tu expliques étape par étape comment réussir leur business, comment ils peuvent gagner de l'argent, comment ils peuvent investir et fructifier leur argent, eh bien, bah, tu vas pouvoir toucher de très, très belles commissions. La preuve, je suis dans cette thématique. Ça fait plusieurs années que j'exerce mon business dans la thématique de l'argent. Et lorsque j'ai commencé, je n'avais vraiment pas d'argent. J'avais 50 € en poche. J'ai acheté mon nom de domaine et j'ai commencé mon business. Puis, petit à petit, mon business a grossi. Simplement parce que des centaines et des milliers de personnes recherchent des solutions pour gagner de l'argent. Personnellement, j'ai d'abord essayé de gagner de l'argent autrement. J'ai testé l'affiliation Amazon, l'affiliation avec les logiciels, l'affiliation avec les produits physiques, le mentorat, etc. Puis, j'ai obtenu de très bons résultats parce que je peux vivre uniquement de mon business d'affiliation. C'est ainsi que j'ai commencé par expliquer aux gens comment eux-mêmes ils peuvent faire ce type de business. Et comme tu le vois, bah, si tu regardes cette vidéo, tu es probablement en train de te demander comment on fait du marketing d'affiliation. C'est voilà pourquoi tu regardes cette vidéo. Cela prouve que l'enrichissement est un domaine passionnant dans lequel tout le monde peut se faire de l'argent. Je t'invite donc à analyser ce domaine et si tu as des compétences, si tu peux expliquer à d'autres personnes comment devenir riche ou comment gagner plus d'argent, comment se libérer de la contrainte du métro boulot dodo, passe à l'action et tu peux avoir des produits pour gagner de l'argent rapidement. Le troisième secteur dans lequel il y a vraiment de l'argent qui circule, ce sont les relations humaines. Comme tu le sais, les relations humaines touchent tout le monde entier et donc lorsqu'on est dans cette thématique par exemple, on peut se faire vraiment de l'argent. Simplement parce qu'on va pouvoir aider des personnes qui ont des problèmes à résoudre leurs problèmes. L'un des sujets par exemple qui revient dans cette thématique, c'est comment sauver son couple.
essaye par exemple d'aller voir sur YouTube ou bien même dans les moteurs de recherche, tu vas voir qu'il y a énormément de personnes qui partagent des conseils pour aider d'autres personnes à sauver leur couple. On va aussi aider par exemple les parents qui ont des problèmes ou des difficultés à éduquer leur enfant à trouver des solutions pour éduquer leur enfant. Donc cette thématique est aussi un sujet qui porte vraiment bien, qui peut rapporter vraiment beaucoup d'argent. Si tu es un expert de cette thématique ou si tu as des conseils à partager, tu peux te lancer dans cette thématique et vraiment réussir à gagner de l'argent sur Internet. Dans cette thématique, tu vas pouvoir vendre des produits numériques, des conseils ou bien même faire ce qu'on appelle de l'accompagnement. Si tu n'es pas un expert, tu vas pouvoir mettre en relation un expert et des parents qui en ont besoin. Ça va te permettre toi de toucher une commission sur chaque contrat que tu vas apporter à l'expert et qui va lui permettre à lui par exemple de gagner de l'argent. Ensuite, on peut également parler des relations entre les humains et les animaux. Par exemple, certaines personnes ont du mal à dresser leurs animaux et donc ils vont chercher des solutions pour essayer de comprendre l'animal et de lui donner une meilleure éducation. Le dressage de chiens, par exemple, est un domaine qui rapporte vraiment beaucoup d'argent. Et si tu vas sur les plateformes, tu vas voir par exemple que les produits les plus vendus sont dans cette thématique. Lorsque je me suis lancé en 2013, je suis allé par exemple sur une plateforme, la plateforme d'affiliation NTPE, et l'un des produits qui étaient dans le top 10 des ventes depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui s'appelle comment dresser son chien en 15 minutes par jour. C'est-à-dire, ça fait quand même 7 ans que ce produit est dans le top 10 des produits bien vendus par NTPE. Alors, si ce n'est pas le même produit, c'est juste que le titre peut être la même chose. Ce qui prouve que l'entrepreneur qui vend ce produit a gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, les affiliés qui l'ont aidé à vendre son produit ont touché de belles commissions. Donc, si toi aussi, ça t'intéresse d'aider les gens à maîtriser leurs animaux et donc comment dresser son chien est probablement un sujet qui peut t'intéresser. Je t'invite à aller regarder sur les plateformes d'affiliation Amazon par exemple et tu verras que il y a des produits qui se vendent très bien dans cette thématique. On peut également dire par exemple que ce marché est très prometteur ou très porteur sur la plateforme d'affiliation Amazon. Simplement parce que le collier pour chien, c'est un collier de dressage pour chien, un produit qui se vend comme deux petits pains. On peut également retrouver d'autres produits comme le tapis pour chien. Donc en essayant de visiter les plateformes, tu verras que les relations humaines ou les relations entre les animaux et les humains est un sujet qui peut te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent. Et donc si tu t'intéresses au marketing d'affiliation, plutôt que d'être dans la thématique et gagner de l'argent parce que par obligation tu penses que c'est cette thématique qui peut te permettre de gagner de l'argent, tu peux te différencier et être un expert dans une autre thématique et gagner comme ça ton revenu de manière honnête. Et parfois tu te retrouves même seul dans ce petit marché, ce qui fait que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Alors, outre ces gros marchés dans lesquels il y a vraiment de l'argent qui circule sur Internet, on peut également retrouver des niches spécifiques. Alors, les niches spécifiques, ce sont des petits marchés dans lesquels il y a vraiment de l'argent qui circule sur Internet, mais dont personne ne parle généralement. On va retrouver dans cette thématique des produits qui se vendent très bien, mais personne ne le sait, personne n'en parle, parce que personne n'en parle, personne ne se lance. Et donc, on pense très souvent qu'il faut se lancer dans la thématique, gagner de l'argent ou investir son argent. Et lorsqu'on n'a pas vraiment la passion de développer des business dans cette thématique, on se perd très vite. Si tu ne peux pas expliquer aux gens comment gagner de l'argent, il ne sert à rien de te lancer dans cette thématique. Dans les niches spécifiques que je vais te proposer, tu vas pouvoir vendre vraiment des produits comme deux petits pains. Comme première niche spécifique, on va parler des logiciels. Le marché des logiciels est aujourd'hui l'un des meilleurs marchés pour gagner de l'argent sur Internet. Par exemple, dans ma thématique gagner de l'argent, les logiciels pour créer les tunnels de vente comme System.io ou ClickFunnels sont des logiciels qui rapportent des milliers d'euros aux affiliés tous les mois. Simplement parce que le produit touche tout le monde. Toutes les personnes qui veulent créer un business sur Internet doivent avoir un des logiciels pour pouvoir créer des pages de vente, des systèmes de vente et donc pour pouvoir récupérer leur argent sur Internet. Et donc ces logiciels permettent aux entrepreneurs ou aux affiliés de gagner vraiment beaucoup d'argent simplement parce que le sujet touche tous les entrepreneurs et même les débutants. L'affiliation de logiciels est donc un marché très prometteur et donc très porteur dans lequel il y a vraiment de l'argent qui circule. Il n'y a pas que System.io ou ClickFunnels. Je fais de l'affiliation sur plusieurs logiciels et je peux te dire que c'est la même chose parce que ces logiciels touchent tout le monde. Si tu veux te lancer dans l'affiliation de logiciels, tu peux regarder dans la description si
système.io ou Click Funnel t'intéresse, ou simplement essaie de trouver le logiciel qui touche beaucoup de personnes et lance-toi dans cette thématique pour être l'expert vu ou l'expert reconnu de ce logiciel. Et comme ça, bah, tu seras seul dans ta thématique ou presque, et tu vas gagner vraiment plus d'argent que si tu te lances dans les thématiques où il y a déjà plusieurs centaines d'affiliés. Comme autre niche spécifique, on peut parler des produits digitaux. J'aurais pu mettre les produits digitaux dans les formations, mais j'ai un peu choisi de faire cette différenciation simplement parce que il y a des formations dans des domaines que je n'ai pas encore cités. Par exemple, si tu sais jouer au piano, à la guitare, ou si tu sais simplement danser ndombolo comme les Africains, eh bien, tu as une niche qui peut fonctionner. Simplement parce que tu peux faire de l'affiliation dans ces thématiques précises sans vraiment aller dans les thématiques d'enrichissement, de relations humaines ou de santé. Ce sont de petites niches, de petits secteurs dans lesquels on peut vendre des produits d'information, donc des produits digitaux. On peut alors vendre des produits digitaux dans plusieurs thématiques dont je n'ai pas parlé dans la première partie de cette vidéo. Il faut juste trouver des produits numériques, des livres audio ou des formations vidéo dans une thématique tellement petite que personne n'en parle. Généralement, dans cette thématique qui sont toutes petites, il y a très peu d'entrepreneurs qui veulent y aller. C'est ce qui fait que ces thématiques sont ultra rentables. En te lançant dans ce type de thématique, je suis convaincu que tu seras l'un des experts. Et même si c'est un tout petit marché, eh bien, tu vas gagner des commissions et tu vas te faire vraiment plus d'argent que si tu viens dans des thématiques ultra concurrentielles comme l'affiliation sur la thématique de la richesse ou l'affiliation dans le domaine de la santé. Ce sont de très bonnes thématiques, mais il y a une petite concurrence qui va t'accueillir. Et si tu peux trouver des produits digitaux dans des thématiques très petites, eh bien, tu peux mieux gagner que si tu dois te lancer dans ces grosses thématiques. Autre thématique spécifique, on va parler du maquillage. Le maquillage est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il n'y a pas que les femmes, il y a même des hommes qui se maquillent, ce qui montre encore que c'est un marché très rentable. Et donc, si tu t'intéresses à l'affiliation et que tu t'intéresses vraiment aux produits physiques, essaye d'aller voir du côté de la niche du maquillage pour voir s'il n'y a pas des gens qui s'intéressent à des centaines et des milliers de produits. Dans ma première vidéo, je t'ai montré comment on fait une petite étude de marché. Cela te permet en fait de choisir une thématique dans laquelle il y a vraiment des gens qui cherchent des solutions et donc de te lancer tout en ayant pour mission d'aider beaucoup de personnes à acheter des produits et à réussir. Si tu aides les gens à obtenir le résultat qu'ils souhaitent, tu vas vraiment gagner de l'argent. Pense vraiment à aider les gens avant d'essayer de gagner de l'argent. La troisième niche que je vais te proposer, ce sera la niche de la nouvelle technologie et des produits de consommation. Aujourd'hui, les nouvelles technologies touchent tout le monde. Tu peux voir par exemple des produits qui se vendent facilement, des produits que beaucoup de personnes veulent acheter. Lorsque tu prends par exemple les câbles pour téléphone portable, ce sont des produits qui s'achètent rapidement. Lorsque tu prends par exemple des appareils comme celui-là, eh bien c'est des produits qui s'achètent facilement. Lorsque tu vas prendre par exemple des téléphones portables, des écrans de télévision, des télévisions ou bien même lorsque tu vas prendre simplement des jeux vidéo, tu vas vraiment vendre ces produits facilement. Le seul problème dans la technologie, c'est que tu vas toucher 3%. Donc, si tu ne vends pas des produits qui coûtent extrêmement cher, tu ne vas pas toucher de belles commissions. Si le marché de la technologie t'intéresse, je t'invite à regarder des produits qui coûtent au minimum 150 €. Donc, comme ça, tu touches de belles commissions. Tu peux descendre en dessous de ce prix. Si tu vends des produits qui coûtent 3 €, 10 €, 20 €, 30 €, eh bien, tu vas toucher 3%. Donc, ce n'est pas ce qui va te faire gagner beaucoup d'argent. En vendant des produits qui coûtent au moins 100 €, tu touches 3 € par vente. Mais si tu vends des produits qui coûtent 1 000 €, tu touches aussi 30 € par vente. Donc, dans cette thématique, il faut vraiment miser sur le prix. Lorsqu'on parle des produits de consommation, eh bien, c'est pareil que les produits de nouvelle technologie. Ce sont des produits qui ne coûtent pas trop cher. Mais tu peux aussi trouver des produits qui coûtent vraiment cher. Essaye d'analyser chacune des thématiques que je viens de proposer et tu vas pouvoir te lancer dans le marketing d'affiliation dans une thématique qui te convient plutôt que de se lancer dans la thématique où tout le monde se jette, un peu comme si c'est dans cette seule thématique qu'il y a de l'argent à gagner. Une thématique spécifique, ce sera la thématique des caméras ou de la vidéo. Aujourd'hui, par exemple, comme tu le sais, toutes les personnes qui se lancent sur YouTube ont besoin d'une caméra, d'un appareil photo pour prendre de belles photos, pour faire de belles vidéos. Ils ont besoin d'un équipement. Donc,
C'est une thématique qui marche très bien actuellement. Et si tu peux vendre des caméras, si tu peux expliquer aux gens comment trouver la bonne caméra, quel type de caméra choisir pour leur vidéo, comment réussir leur montage vidéo, je suis 100% sûr que tu vas gagner de l'argent avec le marketing d'affiliation. Simplement parce que tu vas pouvoir conseiller des caméras sur Amazon ou bien même des appareils pour monter des vidéos, des logiciels pour monter des vidéos. Et ça va te permettre en fait de gagner de l'argent dans le marketing d'affiliation. Voilà, ici pour faire cette vidéo, j'espère que tu as compris. Il y a trois gros secteurs dans lesquels il y a de l'argent dans le marketing d'affiliation. Pour résumer, on va parler de la santé, de la richesse et des relations humaines ou des relations entre les humains et les animaux. Et après, on a des thématiques spécifiques dans lesquelles on trouve de l'argent à gagner dans le marketing d'affiliation. À toi maintenant de passer à l'action et de te lancer dans l'une des thématiques qui t'intéresse. Essaye de donner des conseils, essaye d'aider les gens à résoudre leurs problèmes et je suis sûr que tu vas gagner de belles commissions grâce au marketing d'affiliation. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Regarde dans la description de la vidéo pour récupérer ma formation de 0 à 1000 euros grâce au logiciel System.io. C'est une formation qui t'explique étape par étape comment faire de l'affiliation pour System.io et gagner de l'argent. Et je suis sûr que si tu mets en pratique les conseils que je te donne, tu vas gagner de belles commissions avec ce logiciel. Pour aider la chaîne à grossir, n'hésite pas à partager la vidéo sur Facebook ou sur tes réseaux sociaux. Et merci de m'aider dans cet objectif que je me suis fixé, celui d'aider plusieurs milliers de personnes à gagner de l'argent grâce à l'affiliation marketing. Je te souhaite de passer une agréable journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.